Good morning, allez, Idan, mais ce sera aujourd'hui le Lunishma du Rabbi Bishmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Aouda, Sarah bat Chana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, ainsi que le Rafat Avram Mori ben Rehut Vetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi des deux prochaines études de deux Mishnah à contacter la sécurité éternelle, nous étudions Maserhet Zevachim, Perek Yud Gemel Mishnah Zain, Amolek et Taof Bifnim Veheela Bachutz, Chayav, Malak Bachutz Veheela Bachutz, Patour. השוחט את העוף בפנים והעלה בחוץ, פטור. שחט בחוץ והעלה בחוץ, חייב. נמצא. דרך הכשרו בפנים, מבפנים, פטורו בחוץ. ודרך הכשרו בחוץ, פטורו בפנים. רבי שמעון אומר, כל שחייבין עליו בחוץ, חייבין על כיוצא בו בפנים, שהעלה הוא בחוץ. חוץ מן השוחט בפנים, ומעלה בחוץ. On continue à parler de l'interdit de Shochet et Maalé. Deux interdits, c'est le début du Perek d'ailleurs. A Shochet ou Maalé Bachutz. Celui qui va égorger un animal, un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, il transgresse un premier interdit. Et puis, si ensuite il va prendre maintenant les parties qui devaient monter sur le Misbéach, il va construire un hôtel chez lui et il va faire brûler ces parties ou offrir ces parties-là sur l'autel, alors il transgresse un deuxième interdit qui s'appelle l'interdit de Maalé. D'accord ? C'est le sujet général du Perek qu'on a déjà, Baruch HaShem, bien développé. On va à présent aborder un nouveau tronçon avec un sujet très original. Vous vous rappelez la Khatata Of et la Olata Of. Pour les permettre, lorsqu'on doit apporter une volaille en Khatat ou en Ola, eh bien la Torah l'a donné une halakha très originale, de faire la Melika du poulet pour le... du taurim ou du banyona, de la tourterelle ou du pigeon pour le permettre. On ne prend pas un couteau et on l'égorge comme d'habitude en passant par le cou, mais on va plutôt passer par la nuque. Le Kohen, il va enfoncer son ongle jusqu'à couper un ou deux siman si c'est une khatat ou si c'est une ola. Un rituel très original. Alors maintenant, on va mettre en exergue une halakha très particulière de ça. Dans ma cuisine, si aujourd'hui, demain, je veux manger du poulet, je vais me prendre un poulet et je vais lui faire une melika, je vais enfoncer mon ongle dans la nuque. Il faut savoir, mon poulet, il va devenir taref. Il va être complètement taref, invalide. Il va même véhiculer une impureté pour celui qui va le manger. D'accord ? C'est-à-dire que la Torah nous a dit de quelque chose de très très spécial. Elle nous a dit, au Beth Amikdash, on va abattre les animaux avec un rituel qui est en théorie un rituel catastrophique, littéralement. Mais au Beth Amikdash, c'est comme ça qu'on le fait. Et si on le fait, alors l'animal, il va devenir cachère, même pour les Kohanim. Les Kohanim vont le manger. Vous réalisez un petit peu l'ampleur de cette halakha. On va faire une action, on va abattre l'animal sans le rendre cachère. Et puis au contraire, c'est comme ça qu'il va être cachère au Beth Amikdash. Tandis que si au Beth Amikdash, on va prendre un couteau et on va égorger l'animal, eh bien l'animal, il sera interdit à la consommation. Il sera considéré comme taref, lui aussi. Alors, à l'inverse. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est de savoir le double sujet, en fait. Lorsque je vais faire shochet et maalé d'un khatat ou d'une ola, à l'extérieur du Beth Amikdash, de quelle manière je serai condamnable ? Est-ce que je vais devoir l'égorger ou je vais devoir lui faire la melika ? Et la Mishnah commence à me dire, « Amolek et ha'of bifnim vehe'ela bachutz » Celui qui va faire la melika d'une volaille à l'intérieur du Beth Amikdash. Vehe'ela bachutz » Et ensuite, au lieu de faire monter sur le Misbéar, donc c'était une ola, au lieu de faire monter sur le Misbéar, il a prise, il est parti dans l'hôtel, sur l'hôtel en dehors de la Hazara, et là-bas, il l'a fait brûler. Donc il aura transgressé ainsi l'interdit de Maalé Bachutz, Chayav, il sera condamnable. D'accord ? Il sera Chayav Karet, il sera Chayav aussi de Korban s'il a fait sa méchoguille. Tandis que Malak Bachutz, Vehela Bachutz, Patour. Tandis que s'il a abattu la volaille, le pigeon, il l'a abattu en lui faisant la Melika à l'extérieur du Beth Amikdash. Et ensuite il a fait monter cette Olataof, il l'a fait monter sur l'autel à l'extérieur du Beth Amikdash, il sera doublement dispensé. Il sera dispensé de l'interdit de Shochet, parce que la Torah a insisté en me disant, tu sais, il y a une insistance, c'est rapporté ici essentiellement dans le Tosfot Yom Tov, en fait, qu'il y a une insistance que le pasouk sur Shochet Bachutz, la Torah a dit, Ish Asher Ishchat
Bon, on va pas voir le pasouk qui va là-bas. La Torah l'a incité sur le mot Asher Ishrat, celui qui va égorger avec le couteau, qui va lui trancher la trachée artère ou l'œsophage. D'accord? Asher Ishrat. La Torah l'a incité sur Ishrat de ce fait. La Olata Of, par exemple, tu seras chayav de Shochet Bachus que si tu vas aller faire la Shrita avec un vrai couteau. D'accord? Donc la Mishnah, je recommence depuis le début et maintenant on fait tout d'entrée. Amolek et Taof Bifnim Vehela Bachus chayav. Celui qui va faire la Melika, il va enfoncer l'ongle dans la nuque pour couper la trachée artère du poulet ou du pigeon. Et il était dans la Hazara. Et ensuite, il a pris ce pigeon, il est sorti en dehors de la Hazara, il l'a fait monter sur l'autel, il l'a brûlé là-bas. Khayav, il sera condamnable. Parce que là, il a dans les mains, il manipule un corban qui est kasher en théorie, que tu devais continuer à faire à l'intérieur, et t'es parti le brûler à l'extérieur. À la différence de Malak Bachutz, Vehela Bachutz, s'il a fait la Melike, il l'a battu en enfonçant son ongle à l'extérieur de la Hazara, Vehela Bachutz, et ensuite il l'a fait monter sur l'autel, et bien il sera pas tour, il sera doublement dispensé. Il n'aura ni transgressé l'interdit de Shochet, ni l'interdit de Mahalé. Shochet, parce qu'il n'a pas utilisé un couteau à l'extérieur du Bazamigdash. Et Mahalé, parce que maintenant, il a fait monter sur l'autel un animal qui était de toute façon totalement invalidé. Ouais, on avait appris que l'on n'est passible de Mahalé Bachutz que si on manipule dans les mains quelque chose, que si on était à l'intérieur, on aurait dû le mettre sur le Misbéach et on est parti le mettre à l'extérieur. Or là, ce off sur lequel on a fait la shrita, sur lequel on a fait la melika bachutz, il est complètement taref. Il est invalide à la consommation totalement. De ce fait, on n'est pas passible si on l'a fait brûler dehors. Ensuite, inversement, ashochet et off bifnim vehe el bachutz patur. Si maintenant on avait le pigeon de la olata off par exemple, on était dans la hazara, et au lieu de lui faire la melika avec l'ongle, on a pris le couteau et on l'a coupé et on a tranché la... On a ouvert, on a coupé l'œsophage ou la trachée artère, donc on a fait une vraie shrita. Et ben l'animal, allez, répondez tout seul, l'animal, est-ce qu'on a le droit de le mettre sur le misbéach à l'intérieur de la Hazara? Bien sûr que non, parce que dans le Betamigdash, il faut nécessairement faire la melika. Ainsi, si toutefois tu l'as fait la shrita et après tu vas le sortir dehors, tu vas le mettre sur l'autel, tu vas le faire brûler sur l'autel à l'extérieur du Betamigdash, et ben tu seras patour, d'accord? Je recommence la phrase. Ashochet et taof, celui qui va faire la shrita avec le couteau. Bifnim, à l'intérieur de la Hazara, Vehela Bachut, et il va ensuite le prendre et l'amener à l'intérieur, et le sortir à l'extérieur de la Hazara pour le faire sur un hôtel externe. D'accord? Donc, Patour, il sera dispensé. Par contre, Shachat Bachut, Vehela Bachut, Chayav, s'il a égorgé avec le couteau à l'extérieur du Beth Amikdash, et puis ensuite il l'a fait monter sur l'hôtel, alors là, dans ce cas-là, il sera chayav, il sera doublement chayav sur la shrita et sur la ha'ala'a, sur le fait de l'avoir fait monter sur l'autel à l'extérieur du Beth Amikdash, parce que cette fois-ci, tu as fait monter sur l'autel quelque chose qui est apte à la consommation, en théorie. C'est quelque chose de très original, qu'on trouve presque nulle part ailleurs. Il y aura encore un autre cas qu'on va évoquer juste après. Mais que, donc on va se retrouver en fait à être chayav sur Mahalé Bachutz, sur quelque chose que si toutefois j'avais été à l'intérieur de la Hazara, j'aurais pas été chayav, parce que si on avait fait la shrita dans la Hazara, ça aurait pas été bon. Malgré tout, c'est comme ça que c'est déduit. Et la Mishnah conclut en me disant maintenant un moyen de me souvenir de la halakha originale. Nimtza, il s'avère. Derech hershero bifnim mi bifnim peturo bachutz. La manière dont le korban est kasher lorsque tu le fais dehors, peturo bachutz, tu seras dispensé de l'interdit de shochet et mahalé si tu le feras à l'extérieur. C'est-à-dire, comme il nous dit le Bartanora, Derchiuro Bifnim, Pturo Bachut, si tu le. La manière. Ça va à deux sens, on a qu'à faire toute la phrase, on explique tout d'un coup en fait. Derchiuro Bachut, Pturo Bifnim. Et la manière dont tu es. L'animal devient en théorie apte à la consommation à l'extérieur, alors tu seras dispensé si tu l'as fait à l'intérieur. On a résumé en deux mots. La manière dont tu le fais à l'intérieur, c'est ça invalide à l'extérieur, donc tu seras dispensé du karet. La manière dont tu es chayav karet à l'extérieur, alors tu seras invalide si tu l'as fait depuis le début. C'est-à-dire, donc, le principe c'est le même. La melika, si tu le fais à l'intérieur et qu'après tu le sors, tu seras chayav. Si tu fais la melika dehors, tu seras pas tour. Tandis que la shrita, tu es chayav lorsque tu es dehors. Si tu rentres à l'intérieur, tu seras pas tour. Ok? Maintenant, il y a Rabbi Shimon qui va, la suite de la Mishnah, Rabbi Shimon qui va dire une phrase. Il n'y a aucun, on n'arrive pas à l'enchaîner avec la suite de la Mishnah. Et le Bartanora allonge justement en m'expliquant, si vous regardez dans le Bartanora, Zibora Matril de Rabbi Shimon,
Alors il va nous rajouter qu'en réalité, il y a eu quelques lignes qui se sont perdues de cette Mishnah, et si on avait eu ces quelques lignes en plus, alors ça aurait été le seul moyen de comprendre Rabbi Shimon. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord traduire Rabbi Shimon, comme ça on a été fidèle avec la Mishnah, sans comprendre, après on introduit la phrase qui manque, après on relit Rabbi Shimon en comprenant mieux. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, « Kol shechayavin alav bachutz, chayavin al kayotsebo bifnim sheheelaou bachutz. » Tout ce que l'on est chayav, lorsque l'on est dehors, chayavin al kayotsebo, alors on sera chayav dans les mêmes conditions, bifnim, si on l'a fait à l'intérieur, sheheelaou bachutz, c'est qu'ensuite on l'a monté sur l'autel à l'extérieur du Beth Hamikdash. Une phrase bizarre, au possible. Chutz mina shochet bifnim, à une seule exception, celui qui va être shochet bifnim, ou maale bachutz, celui qui va égorger à l'intérieur de la Hazara et qui va faire sortir la volaille à l'extérieur du Beth Hamikdash. Je vous explique très rapidement d'abord le principe de Rabbi Shimon, et après, concrètement, comment ça va s'exprimer. Le principe de Rabbi Shimon, d'abord, il est de me dire, vous vous rappelez, la Mishnah précédemment, elle vient de nous donner une règle. La manière dont tu es chayav, derechiyuv obifnim, pturo bachutz. Derechiyuv obachutz, pturo bifnim. Je m'intéresse sur la deuxième phrase. Derech echshero bachutz, pturo bifnim. Tu m'as enseigné comme ça en me disant que si toutefois tu vas te retrouver dans un korban, spécialement avec la olataof, donc tu as un korban où tu es passible lorsque tu vas être chayav à l'extérieur, c'est-à-dire que tu l'as égorgé, alors si tu vas faire la même chose à l'intérieur, et puis après tu vas le sortir, là tu seras dispensé. D'accord ? C'est sur ça que Rabbi Shimon vient et nous dit non, c'est pas comme ça, mais c'est en réalité comme ça pour les volailles. Donc c'est pas comme ça de quoi en réalité. Le Bartonora va m'expliquer qu'en réalité il y a encore un autre cas de figure qui a été perdu. On n'a qu'à le lire directement dans le Bartonora, ça ira plus vite à mon avis. Rabbi Shimon Omer, Bemilta de Tanakama, Chisure Mersera, Vachiktane. Dans les paroles de Tanakama, il manque une partie, et c'est comme ça qu'il va enseigner la Mishnah. Vechen, il y a encore un autre cas de figure qui est quoi ? Ashochet behema balaila bifnim, celui qui va égorger, abattre un animal la nuit à l'intérieur de la Hazara. Veheela bachutz, et ensuite il va prendre cette viande, il va partir la faire brûler à l'extérieur de la Hazara. Patour, il sera dispensé. Pourquoi ? Dehena mitkabelet bifnim, parce que l'un korban que l'on égorge la nuit, alors il n'est pas du tout kasher, comme le pasuk nous dit, dirtiv beyom zivchachem, le jour où vous ferez les korbanot. Bayom vel balaila, le jour et pas la nuit. Alors maintenant, de ce fait, le korban n'est pas apte à monter sur le misbéar, donc tu seras dispensé si tu l'as fait monter. Donc le cas qui manque dans Tanakama, la moitié du cas de Tanakama, c'est le cas où il y a une halakha qui me dit, un korban tu le fais que en journée, tu ne le fais pas la nuit. Si toutefois au Beth Amigdash en Hazara, il y a quelqu'un qui va égorger un animal la nuit, le korban est totalement invalidé, tu ne peux même pas le faire monter sur le misbéar. De ce fait, répondez tout seul. Si on prend maintenant cet animal, on va le sortir à l'extérieur du Beth Amikdash, on va le faire brûler sur un autel. Est-ce qu'on sera chayav ou non ? Réponse, bien sûr qu'on sera dispensé. On ne sera pas chayav de karet. Pourquoi ? Puisque la destination de cet animal à l'intérieur n'était pas le misbéach. De ce fait, si tu vas le sortir à l'extérieur de la Hazara, et que tu vas le brûler à l'extérieur de la Hazara, tu ne transgresseras pas l'interdit de Maale Bachutz, d'accord ? Maale Bachutz, c'est ce qui revient au misbéach, tu n'as pas le droit de le faire dehors. Puisque ça ne revient pas au misbéach à l'intérieur, tu seras dispensé si tu l'as fait brûler sur l'autel à l'extérieur du misbéach, à l'extérieur du Beth Amikdash. D'accord ? Par contre, mais toutefois, Im Shachat Balaila Bachutz Vehela Bachutz, s'il a égorgé la nuit à l'extérieur du Beth Amikdash et qu'il a fait brûler à l'extérieur du Beth Amikdash, alors là, il sera chayav, il sera malgré tout condamnable, même d'être prêt à Nakama. Pourquoi ? Mipnei Shachrita Bachutz Balaila Ksherai. Quelque chose de très particulier, c'est que si on va prendre un korban qui est à l'extérieur du Beth Amikdash, là, on est la nuit, on va prendre maintenant un korban, une ola qu'on devait faire demain, on va l'égorger tout de suite, on transgresse l'interdit de shochet bachutz, parce qu'à l'extérieur, la shrita, elle est kshera, elle valide le korban. De ce fait, le korban, elle valide, c'est un abattage valide, c'est une bonne shrita. De ce fait, la Torah n'a pas précisé maintenant de nous limiter à l'extérieur du Beth Amikdash, de dire que ce que tu as fait monter sur l'autel, ça s'appelle que tu as fait brûler n'importe quoi. Non, c'est pas vrai, tu as fait brûler un korban. De ce fait, on sera chayav sur Shochet et sur Maale, lorsqu'on l'a fait la nuit. Ben, la Mishnah continue en me disant maintenant, Bipnei Shachrita Bachutz, Balaila Ksherai, Lefika Chayav Shtaim, Alashrita Balala.
Ok? Et sur ça, donc il s'avère de nouveau, quelque part, qu'on a rejoint la même règle. Ce qui est kasher à l'intérieur, on n'est pas tour si on le fait à l'extérieur. Et ce qui est, plutôt, c'est la deuxième partie qui m'intéresse, ce qui est erchero bachus, pas tour bifnim. Si toutefois, tu as un animal que tu seras chayav à l'extérieur du Beit HaMikdash, si tu vas faire la même chose à l'intérieur du Beit HaMikdash, tu seras dispensé. C'est sur ça que Rabbi Shimon vient et me dit non, puisque tu es chayav lorsque tu égorges à l'extérieur du Beit HaMikdash, tu seras chayav même si tu l'as égorgé de la sorte la nuit à l'intérieur du Beit HaMikdash et que tu l'as fait monter ensuite sur l'autel à l'extérieur. D'accord ? Rabbi Shimon, je recommence maintenant les mots directement, je reviens directement sur la Mishnah, je quitte le Bar Tanoura et on refait ça dans les mots. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne Kol Shechayav in alav bachutz, tout korban sur lequel on est chayav, si tu le fais dehors, c'est-à-dire le korban que tu vas faire la nuit, que tu vas abattre, tu vas être chayav. Eh ben, chayavin al kayot sebo bifnim, she'ela ou bachutz. Tu seras chayav dans la situation similaire, si tu l'as égorgé à l'intérieur de la Hazara la nuit, et qu'après tu l'as fait monter sur le Mizbeach, tu seras quand même, le Mizbeach à l'extérieur du Beit HaMikdash, tu seras quand même chayav sur le Ma'ale bachutz. À une exception, toutefois, que je te reconnais, qui est chutz min ha'shochet bifnim, ou Ma'ale bachutz, à l'exception de celui qui va égorger à l'intérieur, et qui va ensuite faire monter sur le Mizbeach à l'autel, sur l'autel à l'extérieur du Beit HaMikdash. C'est-à-dire que puisqu'il va égorger le poulet à l'intérieur, le poulet, la volaille, le pigeon, alors le pigeon égorgé à l'intérieur, il est bichlal, c'est bichlal, pas une shrita. D'accord ? C'est rapporté dans le Bar Tanoura. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.